Donc j'étais vraiment la petite brindille de l'équipe sur qui on aimait bien rouler. Bonjour à tous, salut l'équipe, c'est Paul Surano, j'ai 22 ans, je suis actuellement joueur professionnel de rugby au Rouen Normandie Rugby en Pro D2 et je joue au poste d'ailier. Alors mon joueur préféré quand j'étais petit c'était sans aucun doute Frédéric Michalak qui a été un très très bon joueur, qui a explosé très tôt au très haut niveau. C'était un joueur très technique, tactique, qui savait tout faire. Alors la célébration de la victoire au rugby plus que dans les autres sports c'est sacré, la fameuse troisième mi-temps. On rentre dans le vestiaire, on se change, on boit quelques bières ensemble, la musique à fond bien évidemment. Et après le soir on va se coucher parce qu'il y a le Covid donc on reste chez nous. Alors vu mon gabarit, plutôt bourrin, pas du tout. On va dire ouais plus technique quoi. On va plus être technique que bourrin ouais. C'est déjà contre moi, battre contre moi, me prouver que je peux toujours faire mieux et me tirer vers le haut. Et la deuxième, c'est montrer à ma famille que même si j'ai pas fait les meilleures études du monde, c'est que ça en valait la peine et que le rugby, ben, aujourd'hui, c'est plus qu'une passion. Donc j'espère qu'ils comprendront mon choix. Si vous voyez la vidéo, papa, maman, désolé. Alors comme je joue ailier, vaut mieux recevoir les ballons. Et si je suis mauvais passeur, eh ben, tant pis, je ferai pas de passe, je garderai tous les ballons. Mais au moins les récupérer pour essayer de marquer. C'est un peu le but du poste. À choisir, je préférais les éviter. Mais si on a un des deux à prendre, pour pouvoir m'en vanter après, Sébastien Chabal. Oula, oui, au début, le contact, c'était pas mon point fort. À 9 ans, je devais faire 1m12, 38 kg. Et j'avais un retard de croissance assez important. Donc, j'étais vraiment la petite brindille de l'équipe sur qui on aimait bien rouler. Donc, c'était pas mon point fort, on va dire, le contact au début. Heureusement que j'étais un peu plus rapide et que j'arrivais à les éviter.